majorité sont des programmes essentiels, sont des programmes importants au niveau du Kung Fu de Shaolin. C'est pour ça qu'on a préparé, on a entraîné, on a joué des années. Ils sont combien sur scène? On est dans la belle. Oh, ça c'est au moins du Kung Fu de 13 personnes. 每一个队员都是经过十年的功夫成长，磨练出这种少林功夫。 Donc on a au total 13 personnes sur la scène. Chaque personne a entraîné plus de 10 ans. Tout le monde. Tout le monde. D'accord. Ouais. Et au niveau de l'âge des moines, c'est donc quoi? Ça a fait toi ta mienne. Oh, c'est 19 到 30 ans. Entre 19 ans et 13 ans. Non, non, 19 ans et 30 ans. Donc 19 ans, il a commencé à s'entraîner, il avait 9 ans. 因为是他说19岁就是从9岁开始练的嘛。 C'est pas trop dur avec un enfant comme ça? 就小朋友就开始练，不是很困难的吗？对小朋友来说，这就是日复一年，日复一年，就是一点一点坚持而锻炼成的。像我就是7岁开始练的。 Oui, c'est un peu dur au début, mais il faut insister, insister jour après jour en parlant, parce que comme le chef, il a commencé depuis 7 ans. D'accord, ok. Comment est-ce qu'on devient moine Shaolin? Comment on peut devenir Shaolin 寺 de 和尚 ou Shaolin 寺 de 武僧? Oh, 这些就是要从小开始一点一点的，首先要在少林寺附近的武校学习，然后经过选拔，才能进入少林寺的武僧行列。 Donc il a dit au début, on doit participer des formations dans des écoles de Kung Fu quand on est petit, et puis il y aura une sélection entre les petits pour entrer dans le temple du Shaolin. Et après, comment est-ce que ça se passe dans le temple? Je reste sur le plus loin. 进庙里了之后怎么着呢？会有一些什么情况？ 在进入少林寺武僧团以后，每一天都要修行，早上起来，早上4点起来念经拜佛，晚课也是7点到8点都要念经拜佛，比如说观自在菩萨。进入寺院以后，我们都要进行修心养性，比如4点到6点都要念经拜佛，下午7点到8点。 Donc le premier chose entre au temple, on doit faire des lectures de bouddhisme. Donc chaque jour au matin de 4 到 6 4 到 6 entre 7h du matin et 6h du matin, on fait des lectures de bouddhisme. Et aussi dans l'après-midi, 几点下午是几点? 7点到 8点. Et dans l'après-midi de 19h entre 20h, on fait aussi des cours de lecture de bouddhisme. C'est le plus important au début. D'accord. Donc, Mimi, il a commencé à 7 ans. Qu'est-ce qui lui a donné envie de devenir Shaolin? 从小就有一个梦想，就是特别喜欢中国的功夫，想把这种少林功夫发扬光大，让世界，甚至全世界都知道少林功夫的存在。主要是特别喜欢。Donc il a dit quand il était petit, il a une grande passion sur le功夫chinois. Donc c'est à cause de ça, il a un rêve, il a ambition de comment dire, de diffuser la culture de Kung Fu chinoise dans le monde entier. C'est pour ça qu'il veut entrer dans le monastère de Shaolin pour apprendre le Kung Fu. D'accord, donc c'est le rêve. C'est la passion, c'est plutôt la passion. La passion, ouais. D'accord. Comment est-ce qu'on peut expliquer le succès des moines Shaolin? Le succès de spectacle? Oui. 他说你解释一下为什么这个少林的节目这么会取得这么大的成功。 少林这个节目取得这么大的成功，归属要说少林寺的那种自由性方丈，他把这个少林文化宣扬到了全世界。Donc le succès des spectacles et des programmes de Shaolin, tout d'abord on doit remercier le chef de monastère de Shaolin, Monsieur Shiping. Donc c'est à cause de lui on a diffusé, on a laissé tout le monde connaître la culture de Kung Fu, surtout le Kung Fu de Shaolin. D'accord. Et le spectacle en lui-même?
己的这个最主要的还是因为少林武僧每到一个别人的地方，他都会拼尽全力，甚至流血流汗，都要为在座的每一位好朋友拿出最好的水平。那个 le succès de notre programme c'est plutôt c'est grâce de chaque moine parce qu'il fait tous ses efforts pour chaque programme pendant chaque festival, chaque théâtre. Même s'il y a quelquefois il est blessé, il a eu des accidents, mais on a essayé, on a fait tous les efforts pour présenter un magnifique spectacle pour notre chef d'ami. D'accord. Et donc là, à Montignac, est-ce qu'il y a un thème sur le spectacle? Est-ce qu'il y a un fil rouge, une histoire? 你在我们这儿演出的这个节目啊，有没有什么主题啊，或者是主线呀之类的？有没有一个什么过连串的故事啊？今天我们在这里演出的节目就是《少林传武术》，叫做《少林寻风》。Le nom de ce spectacle s'appelle moi, c'est s'appelle 少林寻风 c'est pour présenter les功夫de 少林。D'accord, OK.Est-ce qu'ils ont déjà vu quelques trucs à Montignac qui leur ont plu, des autres groupes ou... 你跟这个其他的来演出的这些团体有没有一些交流啊，或者有没有你感兴趣的东西啊？哦，有一些交流，比如像非洲的贵人，我们都是非常友好的，在一起教他们练武术，他们教我们跳舞，还有巴西的团队都跟我们在一起练习武术，我们跟他们学习舞蹈。Encore on a eu pas mal de communication avec les autres groupes, les amis africains, les amis de Brésil. On apprend quelques mouvements de danse avec les amis brésiliens et les amis africains. Et aussi, on donne des cours en particulier pour nos amis de chaque groupe. D'accord.Ça représente quoi pour eux de se représenter comme ça, de présenter leur spectacle toute l'année? Parce que ça marche toute l'année, il y a des moments où on se représente plus, ou parler des enfants un peu de la chose. Est-ce qu'ils se produisent toute l'année, ou il y a des moments de pause, où ils retournent à Shaolin pour s'entraîner他说你是整年都在外边演出吗？还是中间有休息的时间，还要回少林寺再修炼一下，怎么样的？这个演出必须由你们的官方联系我们少林寺的官方，我们才能出来演出，不是说随便就能演少林功夫的。Donc tout à l'heure le programme les spectacles, on doit une confirmation de monastère de Shaolin. Sans confirmation, on ne peut pas sortir de faire aucun programme.你还要说什么？确实。D'accord, OK. Et les entraînements, c'est comment? C'est là, par exemple, est-ce que c'est dans la semaine où ils continuent à s'entraîner comme à Shaolin, ou est-ce que c'est un peu différent vu qu'on n'est pas. 他说你在这儿的时候，你这些训练彩排就在这里这一个星期，你是怎么练的？是像在少林寺一样那么练啊，还是有什么特别的地方？哦，主要来到这里，我们饮食太习惯，还有休息时间也不是一样。我们只要有空的时候，会在旁边体育馆或者训练场，都会带领大家一起训练，一起彩排这次节目。Oui, donc, d'abord, on vient d'arriver en France il y a pas beaucoup de jours, donc on n'a pas le temps décalage et aussi on n'a pas l'habitude de manger la nourriture quotidienne. Ça pose nous un peu de problème.Mais si on a des temps libres, on fait des entraînements à côté sur le terrain où là il y a un gymnase. Donc on fait des entraînements là dans le temps libre. Est-ce qu'il peut me raconter un souvenir marquant, lui, depuis qu'il est moine Shaolin, s'il y a quelque chose qui le marque dans la pratique ou même dans les spectacles qu'il a pu faire ou les pays qu'il a pu visiter? 你能讲一下你在少林寺里或者你出去演出的时候你印象最深刻的事情，或者是对你触动最大的一些故事。要说到这个印象最深的事情，那就是在2012年，我们跟随国家主席习近平总书记出访俄罗斯，给俄罗斯总统普京演出，那是印象最深刻的事情。在那次演出，我们总共让我翻上去记录。
Donc le plus impressionnant, c'était 2010. C'était 2012. On a fait un spectacle. On suit sur la visite officielle de M. Xi Jinping, le président chinois, en Russie. Donc on a joué un spectacle pour M. le président de Russie, M. Poutine. Ça c'est un souvenir le plus impressionnant. Et au niveau des pays qu'ils ont pu visiter? Ni d'autres sur la fête routière, alors ni d'autres sur la fête routière, ni d'autres sur la fête routière. 法国、德国、英国、美国、意大利、你新加坡等等，个数20多个国家对法国的印象比较深刻。Donc il y a des vingtaines de pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, et donc ce qui m'aime beaucoup, c'est la France. Bon, pourquoi? Oui, je me suis rendu à Rouen. 法国人民非常友谊，非常和善。Les peuples français sont sympas, sont gentils, sont élégants et nous donnent une très bonne image. D'accord. Okay. Qu'est-ce que ça représente pour lui d'être moine Shaolin? C'est au niveau de. Déjà, comment est-ce qu'il pourrait décrire en fait être moine Shaolin rapidement? On a compris une description du moine Shaolin. Ouais, par exemple, s'il devait donner trois mots pour décrire moine Shaolin, qu'est-ce que ça représente? 或者用一句话，用简单的几个词，一句话来描述一下什么是少林和尚。淳朴、和尚，哎，淳朴、和尚、高尚。Noblesse, sympathie et gentil. C'est des valeurs qui sont vraiment importantes pour devenir moine Shaolin. 对少林一个和尚来说，最重要的价值是什么？最重要的价值就是这个光头。这不对。少林的功，少林最有价值的，还要属于是少林的功夫。为什么说少林的功夫这么的有名，这么的有文化？它主要是有一个禅。Le plus important, la valeur le plus important, c'est le kung fu, c'est le kung fu de Shaolin. Pourquoi on a philosophie comme, disons, en chinois, ça s'appelle Chan. Ça c'est le cœur, ça c'est la philosophie de la culture bouddhisme, de la culture de Shaolin. Okay. Ça c'est la valeur la plus importante. D'accord. Donc lui, il a commencé quand il était tout petit et ses parents, ils l'ont aidé à devenir moine Shaolin? 他说你从小就练，你家人支持你吗？就对你这个去少林寺有过提供一些帮助之类的吗？支持有，我家三代都是武术之家。Donc il a dit son grand-père, son père est lui joué de Kung Fu de 3 générations. D'accord, donc c'est une histoire De famille. De famille. Ouais. Ok. Il est习武世家的，等于是。Ok, d'accord. Et c'est pas trop dur quand on est petit ou au final il a toujours vu ça donc. Parce que nous en France, c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas l'équivalent en fait. Donc du coup, on ne se rend pas vraiment compte du dévouement que ça demande. 他说："因为法国没有这种可以参照的东西，没有这种从小学武的。说你们从小学武是不是很困难？没有什么困难的经历啊之类的。"学武术是非常困难，必须要有耐心，还有非常有一颗认命的心，才能学成武术。学武术的人很多，但是学好的很少。比如说，你们法国有很多人去我们少林寺学武术，但是学回来，真正学成的可以说少之又少。你说有什么心？我没听清。有个什么的心？坚韧的心。啊，坚韧的心。Donc, oui, c'est dur, c'est vraiment dur. Il faut insister. Donc, il y a beaucoup de gens qui apprennent le kung fu, mais les gens qui ont réussi, c'est très peu. Donc, c'est vraiment la patience, et il faut encore insister. Et comme exemple, chaque année, il y a quand même pas mal de Français qui restent dans le monastère de Shaolin de prendre le kung fu, mais c'est quand même un peu dur pour eux. Donc, c'est vraiment il faut insister. D'accord. Ouais. Je vais terminer avec le spectacle, donc la grosse représentation, c'est demain, si je ne me trompe pas. Oui, demain soir. Ils sont impatients?
就最后一个问题了，明天的这个明是明天演出吧？问你对明天的演出有没有信心？怎么去看？演出对我们来说只是生活中的一件小事，但是在国外的演出，我们会拼尽全力，用尽自己的生命来感染每一个观众。Donc on a fait tous ces efforts pour le spectacle de demain soir. C'est quand même important pour les moines et aussi pour les gens dans la ville. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et on va finir. Monsieur, merci. Je vais essayer. C'est bon? Oui, merci. Ça s'est bien passé.